Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 1er au 5 mai. Pour nos signes astro, signes de terre, taureau, vierge, capricorne, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Carte Oracle 17. Je vous souhaite un excellent 1er mai. Et ça va être parti avec une carte de rune pour chaque jour de la semaine. Ensuite, on va regarder avec le petit oracle, le normand, de cartes pro, de cartes finance, de cartes sentimentales et de cartes inattendues, imprévues. On approfondira avec une carte de l'oracle du muséum. Et on terminera avec une carte, ou plusieurs d'ailleurs, par signe, histoire de personnaliser un petit peu avec l'oracle d'Aï, carte oracle 17. Bon! Eh bien, c'est parti, les amis, on y va. Pour lundi, oh waouh, le soleil. Eh bien, écoutez, pour cette journée du 1er mai, c'est plutôt pas mal. Hein. Il va sans dire qu'avec le soleil, les choses brillent. C'est que du bonheur, c'est que de la joie. Peut-être que vous êtes en famille, d'ailleurs, pour ce 1er mai. Hein. Cette rune, c'est une rune de bon augure, bien entendu. Hein. Elle vous indique, vous avez les moyens de gagner, vous avez les moyens de c'est une bonne période avec plein d'ondes positives. Elle vous dit aussi que vous êtes prêt à éclairer le chemin que vous avez envie d'emprunter et que vous allez bientôt aussi être sous les feux des projecteurs. Ou bien vous êtes sous les feux des projecteurs pour aujourd'hui, tout simplement. Très belle rune pour notre journée du lundi. Mardi, nous avons la maison. Ah ah! Alors, la maison, bien entendu, c'est vaste. Ça peut être le domaine immobilier, ça peut être le domaine tout simplement héritage ou bien la famille. Alors, quand elle apparaît hein, dans un tirage, cette rune, ça peut évidemment, ça concerne, je viens de le dire, maison, famille, tout ce qui est possession en fait avec une gestion. Hein. Donc, il peut y avoir aussi un héritage, il peut être question d'une acquisition. Alors, l'histoire de l'héritage, la rune, elle englobe aussi l'idée du legs, le legs au sens large, vous voyez. Bien entendu, on peut voir, c'est tout simplement il est question aujourd'hui de voir quelles responsabilités on peut mettre en place par rapport à tout ce qui entoure côté héritage, propriété, famille. Vous savez, le côté héritage, je m'arrête un peu dessus, parce que c'est pas toujours héritage comme on l'entend. Hein. C'est au sens large. Nous héritons de notre lignée, nous héritons de ce que nous avons, notre passé qui est derrière. C'est une forme d'héritage également, tout simplement. Donc, il faut avancer. Cette rune, elle nous dit aussi que... C'est ce côté de leçon qui est transmise par nos aînés. Ça aussi, c'est une forme d'héritage. Ça peut aussi permettre de comprendre le sens de la vie. Quoi qu'il en soit, tout ce qui touche au domaine maison très vaste aujourd'hui est d'actualité. Mercredi, avec la rune Ouigo Wagon, on avance. Donc là, on va avancer. C'est quelque chose qui va vous permettre. Il y a beaucoup de communication sur des avancements qui sont peut-être liés avec la veille, la communication, avec la veille, la maison, la famille, l'héritage, peut-être des choses immobilières aussi, hein, tout simplement. Mes wagons, on peut mettre en place un voyage aussi, hein, pas qu'un changement, qu'un déménagement. Et cette rune, elle est toujours associée, comme je le dis tout le temps, à la chèvre qui escalade des montagnes, même si c'est semé d'embûches, on y va. Mais cette rune, elle évoque le mouvement pour vous. Même s'il y a des embûches, vous continuez, vous avancez sur votre chemin là. Vous avez l'élan là, l'élan nécessaire pour avancer. Jeudi, nous avons Isa, la glace. Lisa, elle nous indique qu'il y a quelque chose pour ce jeudi qui va nous arrêter. Alors, on va regarder d'un peu plus près. Parce que la glace, ça me fige. Ça, vous voyez, c'est fait. Ça montre qu'il y a quelque chose qui est figé. Quelque chose qui se... On va vous demander de la patience. Ou bien c'est quelque chose qui va pas se faire. Parce que c'est quand même une rune qui est plus ou moins négative. Donc, ou elle va vous indiquer qu'il est temps de faire une pause, tout simplement. Ça peut marquer une période de stagnation. Quelque chose
de vous-même, vous devez poser. Ça permet aussi de ressourcer ses batteries. Hein. Voilà. Ça peut être une rune d'attente, tout simplement. Une occasion pour réfléchir. Une occasion pour repenser ses priorités. Contempler aussi quelle direction on va pouvoir prendre. En fait, cette rune, elle peut annoncer aussi une promesse de renaissance, de renouveau. Il est vrai que c'est la glace, ça nous glace un peu, ça nous amène à un arrêt apparent. Hein. Mais sous la glace, il ne faut pas oublier qu'il y a l'eau qui coule. Alors, moi, j'ai envie de dire, cette carte me fait penser, vous savez, au blocage dans le jeu de 32, 9 de carreau et le 9 de pique, le côté arrêt, patience, obstacle. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai envie de dire, de toute façon, quelque part, les plus grands progrès, ils se font parfois après des moments de repos, d'arrêt, d'hésitation. Alors, eh bien, c'est pas grave, on s'arrête un peu, peut-être qu'on prend du temps pour soi, pour permettre de repartir mieux sous un autre pied. Ce sont les deux pieds d'ailleurs, hein, c'est mieux. Alors, nous avons la joie, regardez. Le fait d'avoir peut-être posé va vous aider à voir plus clair hein, d'ailleurs. Hein. Nous avons une célébration. Il y a quelque chose qui va être fêté, les amis, là, et c'est très bien. Veille de week-end, c'est plutôt sympathique, c'est plutôt pas mal. Hein. On voit très bien que... en fait, on a peut-être posé, on a peut-être été contraint hein, d'arrêter, de poser, d'être patient, de quelque chose qui ne se fait pas. Mais alors, arrivé là, eh bien, ça nous évoque quelque chose, un bel épanouissement. Alors, si c'est sentimental, évidemment, on est épanoui dans son couple. Si c'est dans le travail, eh bien, il y a peut-être eu de bonnes nouvelles qui sont arrivées, dans l'activité de tous les jours aussi. Elle peut vous indiquer une belle dynamique familiale également, tout simplement, hein, des belles amitiés, hein, des amitiés qui vont vous aider, qui vont vous encourager. On est sur le côté... le drapeau qui bouge avec le vent dans la bonne direction, vous voyez. On est sur le côté là, qui on avance en fait. Maintenant, pour certaines personnes, si on veut utiliser le côté renversé, parce qu'elle était renversée tout à l'heure, par rapport à celle-ci où on vous demandait de vous mettre en retrait, je préfère le dire, ça ne parlera pas à tout le monde, eh bien celle-ci, elle peut vous dire aussi qu'il y aura encore quelque chose qui va manquer d'engagement. Ça peut être un projet commun. D'ailleurs, alors si on a envie de se mettre en couple, en sentimental, ben, j'ai l'impression qu'on va prendre un coup de frein. Ou si on était en travail d'équipe également, il y a peut-être un coup de frein pour certaines personnes également. Voilà, comme ça tout est dit et j'ai oublié personne. Allez, eh bien, on va regarder tout de suite avec notre jeu de 32. Allez, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Taureau, vierge, capricorne. 1er au 5 mai pour nos taureaux, vierge, capricorne. 1er au 5 mai à la coupe. Ouh, il y a une confusion, une incompréhension. Il peut y avoir un petit souci de santé. Ça peut être aussi tout simplement, ça cogite. Hein. C'est le mental également qui peut cogiter, qui n'est pas bien. Il n'est pas bien parce qu'il a un choix, qu'il va falloir prendre un choix, il va falloir prendre une décision. Il y a beaucoup de communication par rapport à ça. Alors, il va falloir couper. Peut-être que c'est difficile aussi hein, de prendre un choix, une décision. Il va être question de rendre une visite qui vous est rendue ou bien une décision qui va être prise par rapport au financier. Attention toutefois de ne pas se montrer trop agressif par rapport à une visite. Hein. Il peut y avoir une visite chez vous et il y a un peu d'agressivité. Bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, il y a la clé qui n'est pas loin. Donc, ça veut dire quand même qu'au bout d'un moment, les outils, on va vous donner les bons outils et vous allez pouvoir régler le problème. Pour certains, avec cet arbre et ces nuages, je fais une petite parenthèse, j'ai l'impression qu'il est question d'arrêter de fumer pour certaines personnes. Allez. Deux professionnels, deux finances. De sentimental et de inattendu, imprévu. Et au dos, nous retrouvons cette décision rapide qui va devoir être prise. On va se séparer aussi de quelque chose. On peut prendre une décision rapide concernant les financiers.
ça va devoir être obligé de prendre une décision d'ailleurs. Hein. Moi, je dirais que les temps difficiles vont être derrière, car il y a une solution qui va être à trouver, qui va être amenée financièrement. Alors, professionnellement, un choix. Alors, bah, écoutez, il y a peut-être pour certaines personnes deux propositions qui vous sont faites concernant le travail, votre activité. Tout simplement, j'ai le sentiment qu'on est sur un. Vous allez devoir faire un choix. C'est peut-être ça qu'on a vu tout à l'heure qui vous perturbait aussi, hein. C'est peut-être une décision qui est directement liée au travail. Ça peut être aussi une décision que vous allez prendre, mais alors que vous êtes en train peut-être de réfléchir, d'observer, peut-être que vous êtes en train de vous dire laquelle je prends de décision. Quoi qu'il en soit, il y a quand même deux choix. J'ai le sentiment qui vous est proposé, hein. Mais ce renard-là, il est en train de se dire dans quelle direction je vais, tout simplement. Vous êtes avisé de prendre la bonne direction, le bon choix, la bonne décision. Et j'ai le sentiment que vous allez peut-être sortir des sentiers battus pour certains d'entre vous, hein. Il y a ce renard qui vous dit aussi, bon, est-ce que j'ai pris la bonne décision? On est méfiant. Je pense qu'on est méfiant, ou c'est professionnellement, ou c'est dans votre activité du moment, hein. Alors, financièrement, il est question d'argent caché, il est question peut-être d'investir, il est sans doute question pour certaines personnes d'argent que l'on veut économiser ou que l'on veut mettre en place. Il peut y avoir la fin de quelque chose de difficile concernant le financier également pour certaines personnes. Attention cependant, au niveau émotionnel, il y a beaucoup d'émotions. Vous avez peut-être peur il y a une certaine peur de perdre de l'argent, de quelque chose, une certaine tristesse au niveau financier, peut-être peur de perdre de l'argent. Mais j'ai plutôt l'impression qu'il y a une histoire d'argent que l'on veut investir, que l'on veut épargner. Vous savez, de l'argent qu'on veut mettre de côté, où on va pouvoir mettre de l'argent de côté, et c'est quelque chose qui vous apporte de la joie. C'est quelque chose qui apporte du bonheur. Il y a comme une stabilité financière qui arrive. J'allume, je ne vois plus ce que je fais. Alors, le côté sentimental. Bon, vous avez travaillé dur sentimentalement peut-être pour un choix sentimental qui vous a apporté de la souffrance, de la douleur. Vous avez le sentiment que coup de chance pour vous sentimental, c'est fini, ça ne se reproduira pas, je ne rencontrerai pas quelqu'un de nouveau. J'ai le sentiment que c'est comme ça qu'on le prend, c'est comme ça qu'on le voit. Moi, je pense que pour certaines personnes, il y a peut-être eu une rupture, hein, la fin. Ça a été un mal pour un bien. Je pense que vous allez vers du renouveau. Vous allez vers quelque chose qui va se stabiliser. Les couples, on est en train j'ai l'impression de se poser peut-être des questions. Des questions. Alors, pour certains, on a donné une deuxième chance à son conjoint, tout simplement. Pour d'autres, je pense qu'on se pose des questions, on cogite alors que la relation, elle est saine, elle est très belle, on va recouvrir tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on est dans du sacrifice au niveau relationnel alors qu'elle est saine, qu'elle est belle? Il y a quelque chose de comme quelque chose qui vous fait dire qu'elle est précieuse. Et en même temps, il y a une légère souffrance au niveau du relationnel. L'inattendu peut concerner beaucoup d'incompréhension par rapport à une visite que vous allez rendre ou qu'on vous a rendue d'ailleurs. Hein. Il y a beaucoup de doutes et d'incompréhension sur une visite. Quelque chose qui vous fait, qui vous a complètement mis dans la confusion. Alors, ça peut être tout simplement en rapport à des messages également, hein, des mauvaises nouvelles qui vous arrivent, ou bien tout simplement des progressions qui sont plus longues que prévues, qui n'ont pas été dans le sens aussi vite que vous l'attendez pour un projet. Ça peut concerner un homme ou ça peut concerner aussi, c'est à cause d'un homme que les choses n'avancent pas aussi vite. Il peut y avoir un homme qui peut avoir un souci au niveau poumon également. On peut voir que vous allez, de toute façon, il y a quelque chose qui après va peut-être vous mettre dans la confusion car il va y avoir une rapidité, des nouvelles qui vont rapides, qui vont interagir assez vite, qui peuvent concerner un projet également. Vous allez peut-être devoir vous déplacer assez vite. Alors, on en remet une sur le professionnel, sur les finances, sur le sentimental et sur l'imprévu, l'inattendu. L'inattendu, ça va, il va de soi que vous ne. Il n'y a que du bonheur au dos. Hein. Alors,
professionnellement, un sentiment quand même d'être bloqué, hein. Il y a un retard. Il y a un retard parce qu'il y a un choix. Il y a un choix qui va devoir être fait. Et ce choix, bah, pour l'instant, j'ai l'impression que vous êtes bloqué. Vous vous sentez bloqué, tout simplement, hein. C'est peut-être pour ça que ce renard, il entre. Si c'est dans votre activité professionnelle, j'ai l'impression que on vous bloque. Vous avez le sentiment, vous, d'être bloqué, hein, également. C'est pour ça que vous êtes en train professionnellement, vous vous dites, je suis sur une voie sans issue, là. C'est un peu ça, voyez. Vous avez le sentiment qu'il y a pas mal d'obstacles sur votre route, hein. C'est en tout cas ce sentiment que vous avez pour certains. Et ça peut être dans votre activité de tous les jours, hein, d'ailleurs, hein, avec l'impression qu'il y a des obstacles sur la route, que ça ne va pas comme vous le souhaitez, qu'il y a un retard, qu'il y a quelque chose qui fait que vous n'avancez pas. Alors, il y a de la santé, hein, au niveau des finances, hein. Il y a bien une histoire d'argent. Il y a bien une histoire d'argent qu'on veut investir, qu'on veut enterrer, que l'on veut peut-être mettre de côté. En tout cas, le financement, il est sain. Il y a la fin des difficultés financières. Il y a des investissements qui vont prospérer. Pour certains, vous avez peut-être investi, vous avez peut-être épargné. On va les royalties, ça met beaucoup de baume au cœur d'ailleurs. Sentimentalement, il y a une personne plus âgée que vous au niveau sentimental qui n'est pas bien, qui n'est pas bien dans sa tête, qui a une espèce de petite difficulté à traverser quelque chose. Ça peut également, on peut voir aussi qu'il y a pour d'autres la fin de la tristesse parce que cette personne a le sentiment d'avoir une belle opportunité. Quelque chose qui se présente à vous. Vous pouvez aussi, les couples, acter quelque chose de tout à fait officiel. Je peux voir aussi au sein du couple un médecin, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un problème aussi passager. Alors, pour certains, vous allez peut-être avoir aussi affaire à des. Comment on appelle ça? Quand il y a un souci dans le couple, on va pas un médiateur, mais voilà, vous m'avez compris. Hein, peut-être que vous allez avoir affaire à quelqu'un pour aider dans le couple. Pour d'autres, de toute façon, je vois quand même que c'est beau, hein, il y a quand même quelque chose de plutôt lumineux, de plutôt, on partage quelque chose. Alors évidemment, ce côté, j'ai envie de dire cette croix, vous pouvez la prendre aussi dans le façon un peu religieux, après vous l'adaptez, hein. Mais j'ai le sentiment que c'est des moments où on a beaucoup prié. Peut-être qu'on a prié fort, hein, quel que soit ce qu'on a réclamé d'ailleurs, au profond de soi. On a cru en quelque chose et on le récolte quelque chose, on le traverse avec sagesse, en harmonie, avec une certaine tranquillité, une certaine aisance. C'est quelque chose de beau qui va être partagé sentimentalement. Je pense que les personnes célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un qui risque d'être légèrement plus âgé que vous. Alors, c'est inattendu. Cet inattendu peut concerner les finances. Il y a une incompréhension, une certaine confusion sur quelque chose qui va aller vite. Ce n'est pas forcément négatif d'ailleurs. C'est tout simplement qu'il peut y avoir une situation qui a fait que ça a été tellement vite qu'on peut se retrouver un petit peu déstabilisé. Tout simplement, il peut y avoir une grosse confusion liée à cette décision. Il peut y avoir des nouvelles de votre maman. Et là, on peut être en pleine incompréhension. J'ai l'impression qu'on peut avoir des problèmes avec une maman. Si ça peut vous parler aussi à certaines personnes, en rapport avec des visites qui doivent être rendues, ou visites que vous deviez lui faire, ou qu'elle va vous faire, ou peut-être tout simplement question de visite, voilà, ou de nouvelles, hein. Il y a une grosse confusion. Pour certaines d'autres personnes, il peut y avoir un problème avec le patron, l'employeur, une belle confusion avec l'employeur, un souci qui se passe. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Attention de ne pas faire preuve quand même de trop d'agressivité. Les amis. Allez, on va mettre une carte avec l'oracle du Muséum pour la semaine du 1er au 5 mai. 1er au 5 mai. 1er au 5 mai. Alors, professionnellement, financièrement, sentimentalement et imprévu. Hop. Alors, professionnellement, nous avons l'écorché. Il va y avoir quelque chose. Eh bien, Saphir. Alors, l'écorché, au niveau professionnel, correspond au fait qu'il y a quelque chose qui n'avance pas. On a pu le voir, vous êtes bloqué. Il y a des embûches et on se sent écorché vif, comme l'on dit, hein. Alors, est-ce que c'est parce qu'il
il y a des choses qui n'ont pas été révélées? Est-ce qu'il y a des choses que l'on va vous révéler et qui ne sont pas justement, qui vont vous contrarier, qui sont semées d'embûches et qui vont faire en sorte que vous n'avancez pas? C'est tout à fait ce que l'on peut retrouver. L'écorché me fait vraiment penser à cette histoire d'écorché vif, en fait, hein, tout simplement. Hein. Alors, cette carte, elle nous dit qu'il y a effectivement quelque chose qui est caché. Peut-être que vous allez le dévoiler, d'ailleurs, vous allez découvrir, ce qui explique que vous êtes en train d'observer une situation un petit peu différemment. Hein. Vous allez certainement aussi chercher, questionner et faire confiance à votre intuition. C'est pour ça que ce renard, il est là, et que ce renard, il avait l'impression qu'on était en train d'étudier une certaine situation. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui, de toute façon, va être mis en lumière, de tout à fait inattendu. Et ça vous permettra d'ailleurs de mieux comprendre la situation. En deux mots, le temps des révélations, il a sonné, et ça vous permettra de prendre une décision. Niveau finance, waouh, paire de ciseaux, on a une libération là au niveau financier, quelque chose de beau et qui nous permet presque d'attraper une certaine indépendance. Là, ça va totalement dans votre jeu. On voit que vous êtes débarrassé de tout ce qui freinait une évolution. C'est une belle délivrance. C'est comme si on enlève les sacs de sable d'une montgolfière et elle monte, elle monte. Vous voyez, c'est comme si on enlevait son boulet à la cheville. Il y a une belle situation. Vous vous êtes détaché d'une belle situation, là, d'une belle habitude. Et le temps, il est venu, ben, en fait, de vous sentir libre et indépendant. Sentimentalement, on a l'élégante dame. Je pense qu'on peut rencontrer on peut avoir rencontré quelqu'un et ça va poser un petit souci. On va se poser beaucoup de questions. Alors que pour certains, on voit qu'il y a une certaine séduction, un démarrage avec la carte 1. D'ailleurs, c'est le démarrage, c'est quelque chose de beau. L'élégante dame peut aussi nous inciter à dire que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous aider. Ça peut être une femme qui va croiser votre route. Ça peut être une femme qui est autour de vous, d'ailleurs, et qui va vous tendre la main, qui va avoir une grande influence sur vous. Peut-être avez-vous déjà rencontré cette personne et elle a une influence sur le cours de votre destin. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous pouvez vous y fier. Vous pouvez même tomber sous son charme, j'ai envie de dire. Pour certains, ça peut être en toute amitié, pour d'autres, un peu plus. Et cette carte, elle vous indique que vous-même, vous pouvez aussi avoir beaucoup plus d'assurance et vous faire confiance également à vous. Alors, c'est inattendu. La rose ancienne, c'est un bel épanouissement nouveau peut-être qui arrive à vous. La rose ancienne, moi je l'aime beaucoup. Elle me fait penser à quelque chose qui est régénéré, d'ancien, qui refait surface, qui éclore de nouveau. En fait, cette carte, elle parle plutôt de vous, quoi. Elle vous invite quand même à vous épanouir, à mettre en lumière votre situation. On chasse ces nuages. Et on met en lumière sa volonté, sa beauté également, ce qu'on a envie de dire, son énergie également. Et on se rend compte que de toute façon, cette énergie va vous emmener dans une belle direction, déjà. Il ne va pas falloir non plus... c'est la direction qui en fait, va. Cette carte vous dit que vous allez être porté, hein, dans la direction que vous avez décidé de prendre. Et je dis ça au moment où je vois ce cheval qui, en fait, part bien vers une direction. Donc, on va peut-être avoir une certaine confusion, effectivement, mais à un moment donné, on va aller vers la direction qui nous intéresse et je pense qu'elle est en lien avec les finances. Voilà, les amis. Bon, ce sont des messages très forts. Hein. Allez, on va regarder maintenant pour chacun un petit message personnalisé avec l'oracle d'Alcart Oracle pour la semaine du 1er au 5 mai. 1er au 5 mai, signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Allez. Hop. Et nous avons pour nos taureaux... Oh, il y a une rupture, une séparation, un mi-taureau, on rompt avec... Alors, pour certains, nous allons sur un divorce, une séparation. Pour d'autres, ça, mettez-le à votre situation. On rompt quelque chose sous forme d'officialisation, d'accord. Et ça ne peut être que positif. Hein. C'est voulu, subi, mais moi, je pense que... Regardez.
on arrête quelque chose. Ça peut être dans n'importe quel domaine. On l'arrête sous forme de signature qu'on officialise. On se coupe aussi peut-être de schémas répétitifs, d'addiction, de quelqu'un, de quelque chose, d'un endroit. C'est une belle signature et c'est vraiment considéré comme un beau coup de chance. Il y a une finalité qui permet un renouveau à mi-taureau. Pour nos amis vierges, nous avons pas mal de commérages, de trahisons autour de vous, les amis. Ça discute dans votre dos concernant le financement et concernant le financier, peut-être par rapport à des rentrées d'argent. Vous allez avoir un coup de main. Il va y avoir de toute façon une association, un soutien qui va vous permettre de vous sortir peut-être de ces situations conflictuelles et une mise en lumière va être faite. Bon, amis Capricorne. La santé est à l'œuvre pour cette semaine. Alors, peut-être que pour certains, mentalement, on ne se sent pas bien enfermé. Pour d'autres, vous pouvez tout simplement être hospitalisé. Pour certains amis Capricorne, avec cette impression d'être enfermé, cette impression d'être d'étouffé. Bon, on va prendre connaissance de choses. Alors, ça peut être le mental hein, qui n'est pas bien également. On est vraiment stressé par rapport à des informations que l'on attend. Par rapport à une demande de formation, par rapport à des examens qui ont été passés, qui doivent être passés, par rapport à des infos que l'on attend. Regardez ça, les amis. La bénédiction, la carte la plus forte. Donc, tout est dit. Allez, voilà, j'espère que ce tirage, cette guidance du 1er au 5 mai vous aura parlé, vous parlera, vous aidera. Merci, merci pour votre soutien, votre présence, votre fidélité à ma chaîne. Merci pour les pouces, j'aime, les commentaires. Merci pour tout. Je vous invite à regarder vos signes solaires, lunaires pour avoir beaucoup plus d'informations. Je vous souhaite pour ma part une excellente semaine et je vous dis à bientôt.